de Jésus-Christ. Et il n'a pas commencé l'œuvre ou la création par les cieux et par la terre. C'est faux. Parce que lorsqu'il créait, il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il était au niveau déjà des anges. Donc il y a un monde qui existait là. Les mâles, dans ce même passage, on dit l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc on comprend que la terre n'était pas vide parce qu'il y avait des eaux. Alléluia. Là, il faut qu'on donne les diplômes spirituels. L'enseignement, on va nous retrouver les prophéties de Mina, on va arrêter de m'en faire. Frère, la prophétie, quand tu as compris ça, c'est ça la vraie prophétie. Tu vas être marié, c'est une bonne chose, c'est bien, mais un mariage qui ne connaît pas le mystère, tes mariages vont tomber. Alléluia. Donc, Dieu, Jésus, a dû faire 3 jours et 3 nuits pour faire quoi? Pour résoudre le passé de l'homme qui était corrompu. N'est-ce pas? Et la Bible dit que le 3e jour, il revient la vie. Et l'histoire, Luc nous dit que Jésus n'est pas revenu à la vie seule. Il y a eu un mystère lorsque la croix. À la 3e heure, 9 heures, il était cloué. À la 6e heure, frère, la Bible dit que les ténèbres ont commencé. Frère, c'est la première fois dans l'histoire de l'existence. La nuit commence à tomber à 15 heures. Pourquoi? J'ai dit le pasteur, je passe au sujet. Qu'est-ce qui se passe ici? Et le même tremblement de terre qu'on a vu dans Acte 16, Paul et Silas en prison. Il y a eu un tremblement de terre. Et le prophétie, après le tremblement, frères et sœurs, c'est même pas la mort de Yeshua. La Bible dit que le rideau du temple a été déchiré. En fait, c'est ça que Paul a dit. Le rideau du temple doit être déchiré. Tout commence par la déchirure du rideau. Frères et sœurs, c'était le temple physique, mais la préfiguration spirituelle. Dans le temple physique, Yeshua était en train, n'est-ce pas, de mélanger tout le monde et faire de l'eau des sacrificateurs. Yes, yeah. Frère, c'est qu'il était en train d'annuler la sacrification d'Aaron. Il était en train d'annuler l'oral, il était en train d'annuler les parfums. Il annulait, n'est-ce pas, le lieu saint. Et il donnait accès à tout le monde au lieu très saint. D'adoration qui se trouve, n'est-ce pas, au niveau de la nage, la dimension de lieu très saint. Il n'y avait que le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui pouvait aller. Frère, cette notion a été annulée ce jour-là. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, Jean voit et dit Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous a délivré, n'est-ce pas, la puissance des ténèbres. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils. Alléluia. Donc tous les chrétiens sont dans le royaume. Tous les chrétiens sont dans le royaume. Quand bien même présents dans ce monde peut-être, ils sont dans le royaume. Et nous avons un jour, n'est-ce pas, compris ce message avec l'illustration, n'est-ce pas, de l'amour. L'amour dans mon Dieu, là, je crois qu'elle était sur ton pas. Jésus envoie ses disciples aller délivrer un amour qui était attaché depuis longtemps, sur lequel personne n'était encore monté. Il dit, allez, délivrez-moi l'amour. Et les disciples savaient que l'amour était gardé.
contrôle des hommes.